avant mon bac d'ingénieur. Donc, je souhaite la bienvenue à nos invités, parents, amis de nos étudiants, bien sûr, dans le cadre de l'évaluation et des soutenances de mémoire de fin d'études. Je suis Madame Massonnière, professeure d'enseignement paramédical et docteur Boumaraf. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour l'évaluation de ce travail de fin d'études. Le thème, c'est l'infirmier face à la sécurité constitutionnelle. Donc, élaboré par Mademoiselle Chiri Nejma et Rosalind Salah, et encadré ou dirigé par Dr Nebouche Menet, spécialiste en hématologie, et M. Bouvet Ahmed, professeur d'enseignement paramédical. Donc, vous pouvez commencer et bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-nous de présenter nos vifs remerciements aux membres du jury pour l'intérêt qu'ils ont porté à notre travail en acceptant à examiner ce travail et l'enrichir avec leurs propositions. Ensuite, nous tenons à remercier nos encadreurs, Dr Mouchmanel et M. Boubel Ahmed, pour leur confiance, pour leur éclairage et pour leur soutien tout au long de l'élaboration de ce travail. Chère audience, aujourd'hui nous avons l'honneur de vous présenter notre mémoire de fin d'études intitulée « L'infirmier face à la sécurité transfusionnelle » réalisée au sein du service d'hématologie 4 de Batna, élaboré par moi-même Chirine Jma et mon bilan Zansa, dirigé et encadré par Dr Mouchmanel, spécialiste en hématologie, et M. Boubel Ahmed, PEP1. Le plan de notre présentation sera le suivant. En commençant avec l'introduction, questions, problèmes, hypothèses, définitions, objectifs d'études, et nous enchaînons avec la méthodologie de recherche, analyse et interprétation des résultats, synthèse générale, et nous clôturons avec une conclusion et quelques suggestions. D'abord, on commence par une introduction. La communauté mondiale partage la même substance vitale, le sang. Ce dernier est la source de vie pour tous les êtres vivants, quelle que soit leur couleur de peau, leur race et leur religion, et leur appartenance sociale. Sa disponibilité repose sur le principe élémentaire de solidarité et son utilisation basée sur la transfusion sanguine. La transfusion sanguine est une discipline aux confins de l'hématologie et de l'immunologie. Elle implique la médecine, la biologie, la sociologie. Elle repose sur l'éthique. La transfusion est un traitement médical invasif qui repose sur la tête d'un triple objectif: la qualité du produit, la disponibilité du service et la collaboration entre les professionnels de santé. Chez les patients traités dans les services d'hématologie, il est fréquent du relevé des aplasies secondaires aux irradiations médulaires ou aux chimiothérapies qui nécessitent un apport transfusionnel fréquent. Un déroulement clinique approprié et correct de la transfusion garantit la sécurité du patient et contribue à améliorer son état de santé. Cependant, la transfusion comporte des risques, d'effets indésirables, incluant les erreurs, les réactions transfusionnelles et les transmissions d'infections. Le système de sécurité transfusionnelle est l'ensemble des mesures visant à réduire ces risques. Il est composé de trois éléments interactifs: l'assurance qualité, l'hémovigilance et les bonnes pratiques de transfusion. En France, les complications de la transfusion sanguine sont rares. Le rapport du 2015 d'activité d'hémovigilance indique 6271 effets indésirables, observés sur un total de 3205370, soit 0,2 défis indésirables. Or, en Afrique, la plupart des pays ne dispensent pas d'une politique nationale en matière de sécurité transfusionnelle. Durant notre stage au niveau du service d'hématologie CAC du Batna, dans la période du 9-11-2017 jusqu'à 9-12-2017, nous avons étudié 892 cas d'immalades transfusées. Et on a trouvé que plus de la moitié, 45%, des cas présentent des effets indésirables et des complications post-transfusionnelles. Et pour cela, nous avons posé la question suivante. Quelles sont les causes qui font qu'un grand nombre de patients présentent des complications post-transfusionnelles? Afin de répondre à cette question, on a proposé l'hypothèse suivante. Protocole et vigilance. On donne maintenant quelques définitions des concepts. D'abord, qu'est-ce qu'une sécurité transfusionnelle? C'est une préoccupation constante de tous les professionnels de santé. Elle a pour objectif de réduire, voire d'éliminer les risques liés à la transfusion. Par exemple, on a des risques immunologiques, des risques infectieux, etc. Selon deux principes fondamentaux.
de l'acte transfusionnel, puis l'efficacité de leur coordination. Passons à l'hémovigilance, c'est un élément de la sécurité transfusionnelle. C'est l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation de la totalité de la chaîne transfusionnelle, depuis le donneur jusqu'au suivi du receveur. En particulier, des effets indésirables survenant chez les donneurs, des effets indésirables survenant chez les receveurs et des dysfonctionnements survenant sur l'ensemble de la chaîne, depuis la collecte jusqu'au suivi des receveurs. Nos objectifs d'étude. Faire passer le message clairement auprès du l'équipe paramédicale qui prend conscience de l'importance de la surveillance de la sécurité transfusionnelle. Informer l'infirmier que les techniques correctes doivent être appliquées pour garantir la meilleure sécurité transfusionnelle afin d'éviter les complications qui menacent la vie du patient. Informer que les cas d'une mauvaise transfusion coûtent plus cher que les prévus. En ce qui concerne la méthodologie de recherche, il s'agit d'une étude descriptive analytique menée au niveau du service d'hématologie 4 de Batna dans l'ensemble sur une période de 2 mois, mars et avril 2018, sur un échantillon de 20 infirmiers de santé publique exerçant au niveau de ce service. Nous avons utilisé pour réaliser cette enquête le questionnaire composé de 26 questions posées de manière simple, précise et bien définie, corrigé par M. Boubera Ahmed PEPM et M. Hassan Salah PEPM. Maintenant, on passe aux réponses. Question numéro 1. Les conditions adéquates de transport sont-elles respectées? 100% des ISP nous informent que les conditions adéquates de transport ne sont pas respectées. En ce qui concerne l'irradiation des poches, 100% des ISP interrogés nous confirment que l'irradiation de poche ne se fait pas systématiquement avant de transfusion. La recherche d'agglutinine irrégulière est-elle demandée systématiquement avant toute transfusion? La totalité des ISP 100% ne déclare que l'arrêt n'est pas demandé systématiquement avant toute transfusion. En ce qui concerne le test ultime, 100% des ISP nous confirment la réalisation de ce test sur lendemain. Après avoir effectué le branchement de votre transfusion, combien de temps restez-vous auprès de votre patient? Moins de 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, moins 10 à 15 minutes. La plupart des infirmiers, la plupart des ISP, 80%, restent moins de 5 minutes auprès du malade après le branchement de la transfusion. Par contre, 20% restent entre 5 et 10 minutes auprès du malade. Passons à la question suivante. Selon le graphe numéro 6, on constate que seulement 7% des ISP réalisent la surveillance des constantes, tant que la majorité parmi eux, soit 95%, l'ignore. Est-ce que vous conservez la poche et le dispositif de test d'incompatibilité 2 heures après toute transfusion? 100% des infirmiers de santé publique ne conservent ni la poche ni le dispositif de test d'incompatibilité 2 heures après la transfusion. Question numéro 8. Est-ce que vous gardez le malade 2 heures après la transfusion pour la surveillance? La totalité de notre échantillon nous infirme qu'il garde le malade 2 heures après la transfusion pour la surveillance. Concernant la traçabilité, question numéro 9, après toute transfusion, la traçabilité se fait sur dossier médical, fiche transfusionnelle entre. Tous les ISP 100% font la traçabilité ni sur un dossier médical ni fiche transfusionnelle. Maintenant, on passe à la discussion. Question 1. Les conditions adéquates du transport ne sont pas respectées, ce qui nous amène à déduire qu'il y a une forte probabilité d'attiration du sang. L'irradiation de poche ne se fait pas systématiquement avant toute transfusion. Selon les dires des ISP du service, l'irradiation se fait seulement en cas de transfusion et de malade préfet. À cause de l'absence de cette irradiation, le malade est exposé au risque de GVH transfusionnel s'il est immunodéficient.
recherche d'agriculture irrégulière, l'examen est appliqué au niveau du service, sachant que c'est un examen qui doit être appliqué systématiquement avant toute transfusion. La RAI est négligée malgré son importance. Concernant le test ultime, tous les ISP du service font ce test sur l'âme de verre au lieu de le faire sur un dispositif spécial. Alors, le résultat de ce test est difficile à interpréter. La plupart des infirmiers sont 80%, restent moins de 7 minutes auprès du malade après le branchement de la transfusion. Les ISP interrogés ne restent pas auprès du malade une période suffisante pour une meilleure prise en charge. La majorité des ISP ne font pas une surveillance des constants, ce qui entrave la prise en charge immédiate en cas d'un accident. 100% des questionnés ne conservent ni l'approche ni le dispositif de test d'incompatibilité 2 heures après la transfusion. Les règles de surveillance post-transfusionnelle ne sont pas respectées. La totalité des ISP déclarent qu'ils ne gardent pas le malade 2 heures après la transfusion, ce qui confirme l'absence totale de surveillance post-transfusionnelle des patients transfusés. 100% des ISP font la traçabilité sur registre, l'absence de documents nécessaires à la traçabilité. Synthèse générale, selon l'ensemble des résultats obtenus au cours de cette enquête et à partir de l'analyse de toutes les questions, on a constaté que la surveillance du malade transfusé ne se fait pas systématiquement avant toute transfusion. Pour éliminer les risques post-transfusionnels et réaliser une sécurité transfusionnelle idéale. En résumé, notre hypothèse protocole et vigilance a été confirmée selon la recherche et les réponses fournies au niveau du service. La conclusion, la transfusion sanguine sauve des vies et améliore la santé, mais un bon nombre des patients qui en ont besoin n'ont pas accès en temps voulu à soins sécurisés. Les pratiques transfusionnelles non sécurisées exposent les patients à des risques réactionnels indésirables, graves et mettent leur vie en jeu. L'acte transfusionnel doit obligatoirement répondre à des règles de bonne pratique, le prélèvement, la préparation, les qualifications biologiques, la surveillance prépare et post-transfusionnelle. Ces règles sont une nécessité absolue. Les suggestions. Créer un CTS au niveau de l'établissement centre anticancer CAC-Batin, un dispositif spécial pour la réalisation du test ultime, une fiche déclaration lors d'un incident transfusionnel, un dossier transfusionnel qui doit comporter les antécédents transfusionnels, les prescriptions médicales, la fiche transfusionnelle, la fiche de déclaration en cas d'un incident et organisation des cycles de formation continue concernant les non-vigilances. Voici quelques références. Merci pour votre attention. Vous avez présenté votre travail. Donc, il reste l'importance de ce thème, il reste toujours un thème d'actualité. C'est un très bon thème, c'est une bonne présentation. Maintenant, on passe au débat, il y a quelques orientations.